Bonjour à tous, donc je m'appelle Adèle Paul et je vais vous présenter ma thèse d'exercice en médecine du travail. Donc cette thèse a été réalisée sous la direction de professeur Barbara Charbotel et soutenue le 10 octobre 2018. Donc ce travail consistait en l'élaboration de la base de données CIPATOX-PE qui visait à identifier les effets perturbateurs endocriniens et toxiques pour les organes endocriniens ainsi que leurs organes cibles des substances actives phytopharmaceutiques de la base CIPA. Donc après une brève introduction, on verra donc le matériel et méthodes qui ont été adoptés pour ce travail. On verra donc les résultats de cette étude et quelques éléments de discussion. Donc au cours de cette présentation, j'utiliserai les abréviations PE pour perturbateurs endocriniens, TOE pour toxiques pour les organes endocriniens, SAP pour substances actives phytopharmaceutiques et BDD pour base de données. Donc les perturbateurs endocriniens, c'est une problématique donc qui est très actuelle, qui est souvent traitée dans les médias et pour laquelle l'élaboration d'une définition consensuelle a été difficile, notamment du fait que la perturbation endocrinienne relève de mécanismes toxicologiques spécifiques qui rompent avec les principes classiques de la toxicologie. Les substances actives phytopharmaceutiques, donc ce sont les substances qui visent à protéger les végétaux et donc qui regroupent à la fois les herbicides, les fongicides et les insecticides. Donc ces substances, elles ont un usage large et donc elles sont source d'exposition professionnelle et environnementale et pour lesquelles on a peu d'outils pour l'évaluation des dangers. Donc dans ce contexte, Santé publique France a élaboré la base CIPA qui visait donc à recenser en fait toutes les substances actives phytopharmaceutiques ayant été autorisées depuis 1961. Et donc sur un premier travail, ils ont élaboré donc la base CIPATOX qui attribuait à ces substances actives phytopharmaceutiques 11 effets sanitaires, dont la perturbation endocrinienne, mais sans précision d'organes cibles. Depuis des années, depuis quelques années, on observe que certaines autorités officielles donc, construisent des bases de données pour étudier les effets PE ou toxiques de ces substances actives phytopharmaceutiques. Donc dans ce contexte, on a décidé donc d'élaborer ce travail dans le but d'identifier les effets PE et les organes cibles de ces effets concernant les substances actives phytopharmaceutiques à partir donc de bases de données officielles et pour faire une synthèse de toutes ces données recueillies, construire un indicateur PE-TOE, donc PE pour perturbation endocrinienne, enfin perturbateur endocrinien, et TOE pour toxique pour les organes endocriniens. Donc la première étape de ce travail, c'était de déterminer en fait les éléments de définition sur lesquels on allait s'appuyer pour la réalisation de cette étude. Et donc, comme je le disais, l'élaboration d'une définition consensuelle entre différents organismes d'autorité a été difficile. Donc en 2002, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a défini un perturbateur endocrinien comme étant une substance ou un mélange de substances altérant les fonctions du système endocrinien et induisant de ce fait des effets néfastes dans un organisme intact initialement, chez sa progéniture ou au sein de sous-populations. Donc la définition de l'OMS, elle est relativement large puisqu'elle prend en compte à la fois les sécrétions endocrines, paracrines, autocrines et intracrines. Et donc l'OMS insistait sur le fait sur la nécessité de différencier mais d'identifier à la fois les substances donc PE avérées et les substances suspectées d'être PE, donc PE potentiel. En parallèle, l'Union européenne, elle a tardé à émettre une définition officielle puisque celle-ci est sortie donc le 20 octobre 2018. Et donc, en l'attente, elle avait proposé une définition intérimaire selon laquelle les substances cancérogènes 2 et reprotoxiques 2 ou reprotoxiques 2 et ayant des effets toxiques sur les organes endocriniens dans le cadre du classement CLP étaient considérées comme des perturbateurs endocriniens. Donc à partir de ces définitions, on a décidé de retenir uniquement les effets sur le système endocrine, mais en insistant aussi sur l'identification des substances à la fois PE avérées et PE potentielles. Et donc dans un souci de dépistage et puis pour respecter la définition intérimaire qui courait, qui était en cours au moment de ce travail, on a décidé de prendre en compte aussi les effets toxiques sur les organes endocriniens, parce que le mode d'action en fait n'était pas toujours disponible. On a dû identifier donc les organes cibles sur lesquels on allait travailler au cours de cette étude, et donc pour ça on s'est appuyé sur l'étude de l'OMS.
et les organes donc, que l'OMS avait retenus comme pouvant être impliqués dans des phénomènes de perturbation endocrinienne. Donc à savoir l'appareil reproducteur, la thyroïde, les glandes parathyroïdes, les glandes surrénales, le complexe hypothalamo-hypophysaire, le pancréas et le métabolisme glucidique, le tissu adipeux et métabolisme lipidique. Une fois ces éléments de définition et les organes cibles déterminés, donc on a décidé d'extraire les données de 5 bases de données d'autorité officielle. Donc premièrement, l'EDS, Endocrine Disruptor Strategy, qui est un programme qui a été développé par l'Union européenne à partir des années 2000, et donc qui avait pour but d'identifier les effets PE avérés potentiels de différentes substances, et aussi de déterminer pour certaines substances si on ne retrouvait pas d'effet ou s'il manquait des données pour pouvoir conclure. Donc l'EDS pouvait retrouver des effets sur tous les organes cibles que l'on avait choisis pour cette étude. La deuxième base de données, c'est la base de l'EFSA, donc de l'Autorité européenne pour la sécurité alimentaire, qui en 2013 et 2016 ont étudié donc, les effets sur la thyroïde, les glandes surrénales et la reproduction de substances actives phytopharmaceutiques. Et donc l'EFSA, elle, recensait des effets à la fois PE et à la fois toxiques pour les organes endocriniens. Pour respecter la définition intérimaire de l'Union européenne, on a donc recensé aussi les effets, les classements CLP des substances, donc classés selon le classement habituel, donc avéré, présumé ou suspecté. On a aussi étudié la base de données développée par l'USEPA à partir de 1996, donc l'Endocrine Disruptor Screening Program. Et donc c'est un programme en fait qui a cherché à recenser les effets sur la reproduction et sur la thyroïde des substances actives phytopharmaceutiques en étudiant in vitro et in vivo donc les effets œstrogéniques, androgéniques et sur les hormones thyroïdiennes. Donc c'est un niveau de preuve qui est suspecté du fait de ces études, donc uniquement in vitro et in vivo. Enfin, donc la dernière base de données qui a été étudiée, c'est la Joint Meeting on Pesticide Residues. Et donc c'est tout un recensement, un inventaire qui a été développé depuis 1963 et qui en fait procède à l'évaluation toxicologique basée sur les couples NOAEL-LOAEL des différentes substances actives phytopharmaceutiques. Donc cette base de données identifie quelques effets perturbateurs endocriniens, mais surtout des effets toxiques sur les organes endocriniens. On a donc compilé toutes les données à partir de ces 5 bases de données, et donc pour synthétiser et simplifier la lecture de nos résultats, on a construit donc un indicateur PETOE. Donc cet indicateur, il visait à identifier les substances qui étaient préoccupantes en termes de perturbations endocriniennes ou de toxicité sur les organes endocriniens, et donc de les différencier donc de certaines substances pour lesquelles on ne reconnaissait pas d'effets connus en l'état actuel des connaissances. Parmi les substances préoccupantes, du coup, on a fait 3 niveaux de préoccupation. Donc quand une substance était classée avérée par l'une des bases de données qui permettait donc ce classement, donc c'est-à-dire l'EDS ou le CLP, on considérait que cette substance était hautement préoccupante. Ensuite, selon le nombre de bases de données qui retrouvaient un même effet, on considérait que les effets potentiels pouvaient amener à un classement d'une substance en moyennement ou faiblement préoccupante. Donc ce classement, enfin cet indicateur, est un reflet du niveau de preuve des données selon donc le danger de perturbation endocrinienne ou de toxicité pour les organes endocriniens. Cet indicateur, il a été construit pour chaque substance active, par organe cible et aussi de manière globale, sans prendre en compte forcément les organes cibles, mais essayer de donner voilà, un indicateur pour la substance de manière générale. En termes de résultats, donc on a étudié par ce protocole 458 substances actives phytopharmaceutiques, et donc parmi celles-ci, on a retrouvé que 44 substances étaient hautement préoccupantes, 254 moyennement préoccupantes, 40 faiblement préoccupantes et 120 pour lesquelles on ne connaissait pas, il n'y avait pas d'effet connu en l'état actuel des connaissances. Et donc on voit sur ce graphique que les effets concernaient principalement la reproduction, la thyroïde et les surrénales, mais qui peut être, ces données peuvent être biaisées par le fait que ce sont des organes qui sont plus étudiés que les autres organes cibles qu'on avait retenus. On a regardé donc ces résultats en fonction des familles chimiques, et donc on a pu observer
que c'était principalement des substances issues de familles chimiques telles que les organophosphorés, les triazolés, les pyréthrinoïdes de synthèse ou les carbamates qui étaient les plus impliqués dans des phénomènes de perturbation endocrinienne. Donc ce travail a été réalisé en 2018, donc on avait étudié la proportion de substances préoccupantes parmi les substances autorisées donc l'année en l'an 2018. Et donc sur les 334 substances autorisées en 2018, on en a étudié 246. Et donc d'après notre protocole, on retrouvait qu'au moins 54% des substances autorisées étaient préoccupantes en termes de perturbation endocrinienne ou de toxicité sur les organes endocriniens, dont 72% sur la reproduction et 57% sur la thyroïde. On a regardé aussi l'évolution donc depuis 1990, et donc entre 1990 et 2018, on note une diminution du nombre de substances actives phytopharmaceutiques PETOE hautement préoccupantes. On remarque aussi une stagnation du nombre de substances moyennement ou faiblement préoccupantes, mais donc ça c'est en termes absolus. Quand on regarde de manière relative selon la proportion de substances autorisées, on voit une augmentation en fait depuis 1990 jusqu'à 2018. On a aussi donc regardé par type de culture, selon le nombre de substances ayant l'AMM sur ces cultures-là. Et donc on retrouve trois cultures principalement à risque du fait du nombre plus important de substances actives potentiellement préoccupantes. Et donc ces cultures-là sont le maraîchage, les fruits à pépins et la viticulture. On s'est intéressé aussi en agriculture biologique. Donc en 2018, on avait 41 substances de biocontrôle homologuées. Et on en a utilisé, d'après notre protocole, 8 substances. Donc c'est un petit nombre, mais à partir de nos résultats, on trouvait qu'au moins 12% des substances de biocontrôle homologuées en France en 2018 étaient préoccupantes. Donc notamment avec la deltamétrine, qui est hautement préoccupante pour la reproduction, mais aussi par exemple le spinosate, qui est moyennement préoccupant, mais qui a plusieurs organes cibles, donc la reproduction, la thyroïde, les glandes surrénales et le métabolisme glucidique. Alors, les limites de ce travail, c'était donc à l'époque, donc en 2018, la définition européenne n'était pas encore sortie de manière officielle, et donc on n'avait pas de définition claire au moment de cette étude. Donc on a pris le parti d'étudier, enfin de recenser à la fois les modes d'action PE et les modes d'action toxiques afin de dépister au maximum les substances, et notamment du fait que les modes d'action n'étaient pas toujours connus et disponibles. Les bases de données étaient relativement hétérogènes, donc certaines bases de données, comme on a pu le voir, étudiaient de manière spécifique les effets perturbateurs endocriniens et d'autres plutôt les effets toxiques sur les organes endocriniens. On n'a pas étudié donc toutes les substances actives phytopharmaceutiques parce que toutes n'avaient pas été étudiées par les bases de données que nous avions choisies. Et ce travail donc, n'est pas une revue de la littérature scientifique, on s'est uniquement concentré sur des données officielles. Les limites de l'indicateur PETOE, donc c'est cette catégorie sans effet connu en l'état actuel des connaissances et selon notre protocole, qui en fait va regrouper des effets non étudiés, un manque de données pour conclure, mais également certaines bases de données qui permettaient de parler de vrais négatifs quand on considérait qu'il y avait une absence d'effets documentés. Donc cette catégorie-là regroupe ces trois types d'effets. La deuxième limite, c'est le nombre d'effets par organe, qui dépend donc de l'intérêt pour cet organe, parce qu'effectivement, par exemple, la reproduction est beaucoup plus étudiée que le métabolisme lipidique, et donc on trouve une surreprésentation relative sur la reproduction, la thyroïde et les surrénales, du fait que ces organes-là sont plus étudiés que les autres organes cibles qu'on a retenus. Les forces de ce travail, donc on a étudié 458 substances actives, ce qui est un nombre relativement conséquent, à travers donc 5 bases de données d'organisation officielles. Et donc on a pu étudier à la fois sur les familles chimiques, donc ce qui permettrait de poser des hypothèses en termes de mécanistique, sur les cultures, donc qui permettrait d'adapter la prévention, d'éventuellement rechercher l'imputabilité d'une exposition par rapport à une pathologie particulière, et aussi prendre en compte l'effet cocktail, parce qu'on sait que donc en termes de perturbation endocrinienne, certaines substances vont avoir des effets synergiques, et donc plus il y a de substances utilisées en même temps, et plus on a de risques d'effets cocktail et d'augmentation du coup des risques d'effets perturbateurs endocriniens. On a aussi étudié donc en agriculture biologique et pas exclusivement en agriculture conventionnelle.
les forces de l'indicateur PETOE. Donc le but de la construction de cet indicateur, c'était de pouvoir disposer d'un outil rapide qui faisait la synthèse de toutes ces données. Et on pourrait imaginer donc que cet indicateur puisse être un appui pour les décisions publiques, pour prendre des décisions par rapport aux dangers perturbateurs endocriniens ou toxiques pour les organes endocriniens. Ça peut être aussi une aide pour le médecin du travail, pour mettre en place sa prévention, pouvoir aussi mettre en place des surveillances adaptées selon les expositions. Et donc cette étude, c'est une étude de danger et non de risque, et donc ça peut à la fois être utilisé en prévention des risques professionnels et des risques environnementaux. Donc en conclusion, on retrouve que 74% d'après notre protocole des substances actives étudiées étaient préoccupantes concernant les effets PETOE, et donc principalement sur la reproduction, la thyroïde et les glandes surrénales. Au moins 54% des substances actives autorisées en France en 2018 étaient considérées comme préoccupantes, avec les cultures donc les plus exposantes, le maraîchage, la viticulture et les fruits à pépins. En agriculture biologique, on retrouvait au moins 12% de ces substances de biocontrôle homologuées comme étant préoccupantes. Cet outil donc, il peut être mis à disposition des actions publiques en vue de la réglementation, par exemple, du médecin du travail donc, pour qu'il puisse adapter sa surveillance et discuter de l'éventuelle imputabilité de certaines pathologies. Et donc, comme je le disais, cette évaluation du danger peut aussi être utilisée dans l'évaluation du risque environnemental. Donc, les perspectives d'études à partir de ce travail-là, donc effectivement, il y a eu 947 substances actives qui avaient eu l'AMM depuis 1961, et donc nous, on en a étudié seulement 458, donc on pourrait imaginer d'essayer de compléter ce recensement, et d'actualiser évidemment ce travail donc, sur les substances actives ayant l'AMM en 2021, et les substances de biocontrôle également, donc en agriculture biologique. Ça peut être du coup le point de départ d'une évaluation des risques adaptée en prenant en compte donc l'effet cocktail, les relations dose-effet non monotones liées à la perturbation endocrinienne et aussi prendre en compte la rémanence dans l'environnement de certaines substances qui, même si elles ne sont plus autorisées, peuvent être toujours persistantes et source d'exposition des populations. Voilà, donc ce travail a fait l'objet d'une publication dans le journal iJURF en 2021. Et donc, il est en cours de réactualisation via la réalisation d'une thèse d'exercice en médecine du travail à Lyon par Chloé Roger. Et donc, ce travail d'actualisation prendra uniquement en compte les effets perturbateurs endocriniens, donc en appliquant cette fois la définition européenne, puisqu'elle est sortie en 2018, et qui s'attache à un mode d'action connu de perturbation endocrinienne. Donc, on ne prendra plus en compte les effets toxiques pour les organes endocriniens pour... respecter, entre guillemets, les spécificités toxicologiques liées à la perturbation endocrinienne. Les bases de données donc, seront modifiées du fait de ce changement de protocole en utilisant des différentes bases aussi qui ont pu être développées depuis ce travail. Et donc il est prévu également de toujours développer cet indicateur PE pour simplifier la lecture de ces données. Voilà, je vous remercie de votre attention.